Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Tsubana. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche si vous ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Ah! Mes frères et sœurs, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce que je viens de découvrir ici, si ce n'était pas filmé, vous ne l'aurez pas cru. Une grande fille, c'est-à-dire dans la famille, c'est elle la première. Elle a des problèmes pour trouver un homme. Elle a des problèmes pour se marier. Or, elle a des jeunes soeurs. Pour ne pas que ses jeunes soeurs se marient avant elle, est-ce que c'est ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est ce qu'elle a fait? La pure sorcellerie. Elle a tout simplement pris les vêtements de ses soeurs et les enterrés dans la fondation de la maison, de sorte que ses soeurs ne se marient jamais. Maintenant, ces soeurs sont des problèmes. Et ce problème-là les a conduits chez un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu qui a les yeux spirituels, une personne par qui Dieu passe pour révéler des choses cachées à ses enfants. Et quand l'une de ses soeurs est arrivée chez le prophète, cet homme de Dieu, lui a révélé carrément tout ce qui se passe. Et ce qui se passe se trouve sous leur maison, une chose enterrée par leur grande sœur qui veut les voir dans la souffrance. Ah, ça m'étonne. Dis à ton ami qu'à côté, ça m'étonne. Dis à ta sœur qu'à côté, ça m'étonne. Waouh! On dit toujours que tout problème a une origine. Donc, l'origine de son problème, c'était sa sœur qui avait enterré un vêtement sous leur maison, dans la fondation même. Et cette affaire-là est allé très loin, au point où ils ont mené même des forces de sécurité pour pouvoir toucher un peu la sœur là, pour qu'elle puisse se confesser. Et elle a finalement avoué qu'elle a vraiment enterré les vêtements à ses sœurs sous la fondation de la maison. Et pour que ces sœurs-là soient libérées, il faut absolument qu'on déterre les vêtements. Imaginez la suite. Ah! Que va-t-il se passer? La population s'est levée. Les gens sont même chauds pour que la famille soit libérée. Venez, 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 venez voir ça. Vous devez partager cette vidéo, Il y a des gens comme ça qui sont bloqués. Hein. Dans la famille, ils sont bloqués. Ils essaient de jouer des deux bouts, ça ne marche pas. Oh, il y a quelqu'un de la famille qui les a enfermés dans la bouteille. Ah, au nom de Jésus, que ces bouteilles-là vont être détruites au nom de Jésus. Ah, qu'est-ce qui va pas avec vous? Nous voulons réussir. Est-ce qu'on est fait pour être au même niveau? Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça là même là, ça m'étonne. Non, 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 que ça ne vous étonne pas. Jésus s'est levé. Ah! Regardez même ça. Les gens du quartier ou du village sont levés. Ils disent non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour libérer les soeurs. Vous savez, quand Dieu est avec vous, c'est lui-même qui fait votre combat. Incroyable, mais vrai. Ce que nous allons voir, c'est vraiment triste. Et c'est elle qui est ici. Elle est la grande soeur, l'aînée de la famille. Elle a emprisonné tous les membres de la famille. À cause d'elle, ses soeurs ne se marient pas. Mes frères et soeurs, écoutons ça ensemble. C'est en anglais. Ceux qui peuvent traduire peuvent le faire. C'est parti. It is about a woman named Mary Nabakoza that actually bewitched her family members by implanting charm under her family house foundation. On dit c'est une mauvaise femme, elle est membre de cette famille, qui a tout simplement planté des fétiches sous la maison, dans la fondation. Et regardez comment ils sont en train de creuser là. It happened that she visited a native daughter with her sister's clothes so that the two men would use the clothes as a means to tie them spiritually so that they would remain unmarried. Là, elle a utilisé les vêtements. Elle a utilisé les vêtements de ses sœurs pour les bloquer spirituellement parlant, juste pour qu'elles ne se marient pas. Can you imagine this level of wickedness? Est-ce que vous pouvez imaginer ce niveau de méchanceté? It's exactly what happens in Nigerian movies, but et c'est exactement ce qui se passe souvent dans les films nigériens. This time it's happening in real life, but nothing is hidden under the sun forever. A prophet revealed to one of the sisters about the spiritual bondage and also told her who was behind it. So she had to take immediate action with the help of her family members. Là, le prophète a révélé à une de ses sœurs
quelle est l'origine de leur problème et pour les aider, il faut absolument faire ce qu'ils doivent faire. Mary, who confessed after a sweet interrogation, went further to disclose why she engaged in such a demonic act. Là, elle s'est confessée après qu'on l'ait oppressée, on l'ait vraiment forcée à le faire. Et elle s'est finalement confessée pour révéler tout ce qu'elle faisait, tous ses actes démoniaques. She said that she is the first daughter of six girls, and yet no man has ever come for her hand in marriage. Elle dit qu'elle est la première fille de la famille, mais personne n'est prêt à s'engager à la marier, n'est prêt pour la marier. While two of her younger sisters are married, she was over jealous and heartbroken that she couldn't take the humiliation anymore. Là, comme elle voit que ses soeurs sont prêtes à se marier, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ses soeurs, par jalousie, elle a décidé de le bloquer comme ça. Et c'est sa confession. Juste pour qu'elle ait pu se marier la première. Parce qu'elle ne veut pas laisser ses soeurs se marier avant elle. Elle l'aimait. C'est vraiment mauvais. Never to allow any form of water to touch the truth. So to that effect, they had to render the charm useless and powerless by adding water on it, as you can see in the video. Hopefully by this action and a lot more of deliverance action, these innocent poor girls will be free. The entire villagers and neighbors. Pour que ces filles soient délivrées, il faut absolument qu'on déterre les vêtements roux et les fétiches qu'elle a enterrés sous la fondation. Et regardez comment elle se cache. Elle est même en train de se cacher là. Regardez, elle se cache. Elle se cache même. Vous voyez, quand le diable est dévoilé, regardez, il se cache. Eh mon Dieu. Even wanted to lynch her, but the policemen who came for the investigation had to take her along so that she would face proper justice for such an action of inhuman acts. I will continue to say this: no evil deed shall be left unpunished. It will only take time, but it must come to pass one day. Lovely people, please endeavor to share this video with your friends to watch and learn from this. Vraiment, c'est un acte inhumain. Tout ce qui vient de se passer, la police vient les aider. Ce sont des choses terribles que nous découvrons avec vous. Vous avez entendu ça? La jalousie. Ah! Donc les sorciers sont des jaloux. Mais pourquoi les gens sont trop jaloux? Jaloux, jaloux. Les gens sont jaloux, c'est la jalousie. Jaloux. Quoi? La jalousie. Parce que toi, Dieu t'a béni. Parce que ton étoile brille, les gens sont jaloux. Juste comme ça. Et la jalousie va jusqu'à la sorcellerie. Mon frère, si tu sais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille ou dans ton bureau, dans le lieu de travail ou quoi que, où que ce soit, à cause de Jésus-Christ, c'est la vraie protection. Il a vu que le prophète a révélé à l'une de ses sœurs l'origine de leur problème. Mon frère, ma sœur, l'origine de ton problème se trouve quelque part. Seul Dieu peut te révéler ça. Et des actions vont être mises en œuvre pour ta délivrance. Par exemple, pour elle, il faut absolument qu'on déterre les vêtements là avec le fétiche. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu comment la population s'est levée? Ça veut dire que les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à se réveiller. Ouh, c'est extraordinaire. Qu'en pensez-vous? Vraiment, est-ce que Dieu pardonne les humains, quoi? Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Même la vidéo qui apparaît ici. Ha! Ça va même vous étonner. C'est parti. Nous avons trois autres chaînes. Si vous n'êtes pas abonné, nos trois chaînes, quelques chaînes sur Wallet. Ça n'a pas d'accueil. Et abonnez-vous sur Nyan Sobodo, Nyan Sobodo 3 et Nyan TV. C'est parti.